Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, a été agressé lundi soir à Amiens. Les faits ont eu lieu en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites qui faisait suite à l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Son père, Jean-Alexandre Trogneux, explique que les agresseurs de son fils attendaient devant la chocolaterie Jean Trogneux, dont Jean-Baptiste est l'un des responsables. Il a été reconnu et pris à partie avant d'être frappé à la tête, aux bras et aux jambes. Jean-Alexandre Trogneux décrit également que les agresseurs ont pris la fuite à l'arrivée de trois voisins venus aider le jeune homme. Jean-Baptiste Trogneux est en observation et en attente d'un scanner. Brigitte Macron a dénoncé la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. 8 personnes ont été interpellées.